La foire à la fourrure remplit chaque année les coffres de Ville-Marie. Mais il faut d'abord s'entendre. La foire doit profiter à tous, et non à quelques-uns. Nous devons éviter de faire de la surenchère auprès des Indiens. C'est le bon sens même. Rien ne sert de payer le prix fort pour le castor qui commence d'être moins à la mode dans les vieux pays. Tu as mis le doigt sur, Ephra. Cette année, il faut acheter au plus bas prix. Mauvaise tactique. Il faut que nos prix soient meilleurs que ceux des Anglais. Sinon, la foire sera un échec. Si vous marchandez trop, les Indiens iront vendre leur fourrure à Albany. Ben, vous savez ce qui est arrivé l'an passé. Tu te laisses emporter, d'Iberville. Tu ne veux pas écouter la voix de l'expérience. Je me rallierai à la majorité. Mais avant de prendre une décision, pensez-y bien. Mais nous n'avons plus de devise. Ah oui. Les soldats aussi sont sans le sou. Ils en sont réduits à s'embaucher chez les colons. De toute manière, pensez-y deux fois avant de fixer les prix. Bon, bon. On y pensera. Au fait, ces travaux, ça avance? Je veux dire que le soleil tape dur. Hein? Ah, moi c'est curieux, hein. Plus je bois, plus j'ai soif. En tout cas, corvée pour corvée, j'aime bien m'escalader dans la foire. Au moins, ça rapporte. Je t'ai déjà dit, plus de crédit à personne. Tu payes tout de suite ou bien... Par exemple. Et vous entendez? Bah, tu connais moi, hein, un vrai gripsou. C'est que je vis pas de l'air du temps, mes vieux. Fais-toi payer par jeté, il me doit 5 jours de salaire. Quoi? Un grand flambou qui passe son temps à se faire chauffer au soleil? Je te dois rien, la borne. Encore chanceux que je t'ai logé et nourri. Non, mais vous l'entendez? Tous des pays fins, ces colons. Tous des assis sur leurs écus. La colonie manque d'écus. Comment tu veux qu'on s'assoie dessus? Tout le monde perd en nature. Surtout en grains. Mes greniers en sont pleins. Faudrait que le roi fasse frapper monnaie. Allons donc, frappez monnaie. Il suffirait de vendre aux Anglais. C'est là qu'est la monnaie. Aux Anglais. Il faut avoir une âme de traître pour parler de la sorte. Moi, une âme de traître. Répète-nous un peu, beau séjour. Tu m'as très bien compris, Baudry. T'as de la chance que je sorte tout juste de prison. Ah. Autrement, je te couperai les oreilles. Laisse-le dire, Baudry. Beau séjour a pour fendu bien plus de barriques de vin d'Anglais dans sa carrière. Vaut mieux boire un toilette de temps en temps que de voler son prochain comme certains paysans. Qu'est-ce que tu veux dire, mon grain? Je me comprends. Explique. Je connais un colon chez qui j'ai fait des semences et j'attends encore mon dû. Je paye seulement ceux qui ont du cœur à l'ouvrage. Pendant qu'on se crève sur tes terres, toi, charbonnier, tu vas t'enrichir chez les lemoines. Les lemoines? Qu'est-ce qu'ils ont, les lemoines? Ils sont cousus d'or et ils se moquent bien de nous autres. Oh, le cidre t'embrouille les idées, mon grain. Pas assez pour ne pas m'apercevoir que les gros marchands n'encouragent que les gros colons. Ça te regarde? Plutôt que de jaboter, toi, charbonnier, paye tes dettes! Tiens, t'as payé! Libère-le, tranquille! Vite, cours avertir la garnison! Arrêtez! Arrêtez donc! J'ai perdu un peu de ta cuisse, Abaddon! Y'a du grabuge! Allez-y, Franck. La foire leur tourne déjà la tête. Pas étonnant, charbonnier est allé prendre un verre. Ah, celui-là. Fais voir. Continuez sans moi. Darico, accompagnez. Urbain Jeté, comparé aussi devant notre tribunal pour s'être battu chez Abraham Bois, aubergiste. Qu'avez-vous à dire? Ce que je voulais, c'était protéger le soldat Mongrain, mais le soldat Beau Séjour m'a frappé et... Et vous vous êtes battu. 4 livres. Oh. Où voulez-vous que je les trouve? Tant pis. 10 jours de cachot si vous ne pouvez pas payer. Au suivant. Silence! Les sieurs Jacques Lemoine de Sainte-Hélène et Pierre Allemand. Cela n'ont rien fait pour arrêter la bagarre. Mm-hmm.
C'est édifiant. Nous n'étions que de simples spectateurs. 4 livres pour le spectacle. Les fils de marchands, ils ont de beaux louis en poche, eux autres. C'est même étonnant qu'on les fasse payer. Silence ! Le sieur Pierre Lemoine, d'Iberville. Il se battait avec les colons quand le sergent est arrivé. C'est vrai ? J'essayais de rétablir l'ordre. Je n'en doute pas. J'étais près de lui sur la place, quand tout a commencé. Il est parti vers l'auberge pour arrêter la bagarre. N'est-ce pas ce qu'il essayait de faire quand vous êtes arrivé ? Oui, en effet, je le crois. Bon, non coupable. Au suivant. Je vous remercie. Fallait s'y attendre. Silence ! Louis Charbonnier. Qu'est-ce qu'il a fait, celui-là ? Ah, c'est lui qui a déclenché toute l'affaire. C'est vrai ? Sauf votre respect, c'est pas le cas, monsieur le juge. Le rapport dit clairement que vous avez giflé le soldat Mongrain. Il m'avait insulté. 6 livres. Et une semaine au cachot. Je peux payer, mais rien qu'en nature. Il faut payer en espèces. 1 mois au cachot. Mon travail, mes récoltes et ma famille. Il fallait penser plus tôt. Suivant. Silence. Silence. La séance est levée. Ah non, 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 non. Je suis absolument contre cette idée saugrenue. Mais écoute-le au moins. Bon, ben voyons, la Compagnie du Nord, payer les amendes des condamnés. Réfléchis un peu, Catherine. Si tout le monde est en prison, qui va travailler à la foire ? La Compagnie du Nord n'est pas une entreprise de charité, que je sache. Écoutez, mon... Tout le monde nous traite d'exploiteurs. C'est un excellent moyen de faire avaler leurs paroles aux gens. Et puis c'est un petit jeu dangereux. Si la Compagnie paye une fois les amendes, il faut qu'elle les paye tout le temps. Non, non. Encore une fois, non, ce serait dilapider les biens de ce pauvre Charles. Les biens, les biens. Sans le travail des colons, où seraient nos biens ? Je dis non et c'est non. J'ai pas envie d'encourager le vice maintenant. 24 achètes. 8 pistolets. Madame Catherine est là. Barbe. Et entre, voyons. On vous a dit ? Oui. La boîte cachot. C'est dur. Il faut que vous m'aidiez. Écoutez, Madame Charbonnier, Louis a frappé le soldat Mongrain devant tout le monde. Oh, je sais. Un mouvement d'humeur. Tout le monde sait que c'est un brave homme, ton mari. Quel malheur. Quel malheur. Il n'y a personne à la maison pour s'occuper des gens. Et mon Louis, qui veut perdre de l'argent à la fois. Pierre. Il suffirait que vous vous en donniez la peine. Facile à dire. Enfin, je vais voir. Merci. Merci, j'ai confiance. Le sieur Pierre Lemoine d'Iberville. Je reprends de belle. Vous avez participé à cette bagarre. Mes compliments, c'est du propre. Vous n'avez donc pas vu le rapport du juge ? Ah non, je ne l'ai pas encore reçu. Vous verrez que j'étais là pour essayer de séparer les combattants. Mais tant mieux. Je voyais mal à l'enseigne de Sa Majesté se battre avec des soudards. Asseyez-vous donc. J'avoue que les événements d'hier me tracassent beaucoup. J'en ai pas dormi de la nuit. Je vous comprends. Des soldats à ne rien faire, c'est ce qui arrive. Aussi, j'en suis venu à la conclusion de reprendre immédiatement la construction de la palissade. J'aurai d'ailleurs en main un bon directeur des travaux, un homme compétent. Ah ? Gédéon de Catalogne. Un jeune ingénieur, il vient d'arriver à Québec. Mes travaux sont déjà passablement avancés. Suffirait d'un tout petit effort. Sans doute.
On dirait que mon idée ne vous plaît guère. Vous verrez. Il suffira de mettre tous ces forbans au travail et nous aurons la paix. Vous avez raison, assurément. Mais ce n'est pas le travail qui fait défaut. C'est l'argent. Ça, évidemment. Vous n'ignorez pas qu'on a dû licencier les soldats faute de devises. On ne peut pas toujours payer en nature. Ah, cette pénurie de devises! Il faut y remédier. Et je crois que j'ai une idée. Vraiment? D'abord, s'arranger pour que la foire réussisse. C'est l'évidence même. Et pour qu'elle réussisse, il faut élargir tous ceux qui ont été faits prisonniers hier. Les élargir? Vous n'y pensez pas? Et si, j'y pense. La foire est l'événement annuel. Des centaines d'Indiens y accourent, avec des monceaux de fourrure. Pour les colons, c'est l'occasion de refaire leur pécule. Sans doute. Après la foire, tous les coupables pourront payer leur amende. Vous avez peut-être raison. Je donnerai des ordres. Apparence qui aura beau temps pour la foire. La foire? Alors, tu te décides? Le roi et les autres refusent de partir à cause de la foire. Tant pis pour eux. Nous partirons tous les deux. Ben, c'est que... Ouais. Tu lâches toi aussi? Tu crois encore au miracle? Écoute, Vaudrey, c'est bête de partir. Il y a une chance de faire quelques écus. Ben, comme tu voudras. Moi, je pars à la tombée de la nuit. Si tu changes d'idée... Tout le monde est prêt, monsieur, on vous attend. Comment tout est prêt? Et où sont vos Indiens? Mais là, monsieur. Je n'en vois qu'une poignée, où sont les autres? Il n'en viendra pas d'autres, monsieur. Quoi? Monsieur d'Iberville est allé aux nouvelles, il a interrogé les chefs. Il y a des chefs parmi eux? Oui, monsieur. Les chefs Outaouais, Algonquin et Abenaki. Qu'est-ce que ça signifie, major? On m'avait pourtant dit que cette fameuse foire de fourrure attirait chaque année des centaines d'Indiens à Montréal. Je n'y comprends rien moi-même, monsieur. Son Excellence, le gouverneur de Montréal. Sont cela vos 300 Indiens? Je n'y comprends rien. C'est la première fois.
Tepe-toi, Tina. Tu pas Timon. Tu t'attends misca quoi? Quand tu peux l'itac, moni an mac à tawat. Le chef Outaouais apporte ses salutations et celles des tribus amies à monsieur le gouverneur de Montréal. Quand tu peux l'itac, miste quoche, copano, espèce et camichette. Manite yot mean, mouescat, et not et chete yoran. Espèce à yeshque. Tichet miste koshet. Espèce, elle uchetet. Comme iconimet, nete, kashiwanta kawasash. Il dit que les Français ont perdu la confiance des Hurons depuis l'échec de Lance à la famine. Comme iconimet, machine chiot. J'ai dit pour nous t'en mac. J'ai dit, mais je te coche. Mac ou can. Où est-ce que tu es? Tu es au tamot. Pecon, oui, oui, pas d'iné. Oui, autre. Espèce. Mino, oui, c'est wata. Qu'est-ce que ça signifie? On a compris. Et eux? Ils viennent avec nous. Il dit que la paix signée avec les Iroquois l'an dernier a blessé les Outaouais et tous les alliés des Français. Mais il proteste quand même de son amitié pour ses frères les Français. Le gouverneur de Montréal remercie le chef Outaouais de ses présents. Il lui souhaite la bienvenue, ainsi qu'à tous ses frères. Il regrette toutefois de voir qu'ils sont venus si peu nombreux. Dice Kalipeldak, Natsquamil, Kamilchet et Inutima, Ostuelitan, Espis Eka, Mistetinen. Et voici le présent du gouverneur de Montréal. Trois épées, en signe d'amitié. Dice Kalipeldak, Gemina, Otachimaka, Espis Melokesh. Je déclare ouverte la foire de Montréal. Les échanges commenceront demain. En attendant, j'invite tout le monde à boire un pot de cidre à la santé du roi de France. Vive! Il y en a qui ont le cœur à rire. C'est une dure leçon. Je l'ai toujours dit. Pas de commerce possible avec les Indiens tant que les Anglais mettront des bois dans les roues. C'est l'échec de Lance à la famine que nous payons. Et nous le payons cher. L'ennemi de la Nouvelle-France, c'est Manat. Il nous faut mener de nouvelles expéditions. Mais avec quel argent? Le nôtre. Celui de la compagnie. C'est insensé. C'est la ruine. Vous espérez encore quelque chose de Versailles? À qui nuisent les Anglais et les Iroquois? À nous! C'est à nous d'agir, et tout de suite. Vous savez la dernière nouvelle? Simon Leroy et Bouvier ont déserté avec Vaudry. Les soldats Mongrain et Le Borgne sont également de la partie. Et ça ne fait que commencer. Il y aura d'autres défections. Et puis le major vous convoque tout de suite à la garnison. C'est urgent. Vous
savez ce qui se passe? J'allais vous poser la même question. Je suppose que c'est au sujet de la foire. Vous savez sûrement quelque chose, monsieur Ducasson. Moi? Mais qu'est-ce qui vous fait croire? Le gouverneur doit avoir de sérieuses raisons pour nous convoquer à pareille heure. Vous les connaissez? Monsieur de Calière, gouverneur de Montréal. Messieurs, prêtez-moi votre attention. C'est très grave. Le gouverneur général vient d'interdire tout commerce avec les Outaouais. Ces félons écoulent leur fourrure à la butte du son avec les Anglais. Le père Sylvie va vous parler. Messieurs, j'arrive de la baie d'Hudson. Ce traître de Radisson est de nouveau passé au service des Anglais. Il s'est emparé de nos forts. Malgré cette pénible nouvelle, j'ai tout de même le réconfort de signaler l'arrivée à Ville-Marie du sieur Gédéon de Catalogne. Que voici. Il vient nous aider à terminer les palissades. Nous avons désormais tout à craindre des Iroquois. Autre bonne nouvelle. L'intendant de Meule a trouvé un remède à la pénurie des devises. Le voici. Ah oui, une simple carte à jouer, mais elle porte le sceau du gouverneur. Désormais, des cartes pareilles nous serviront de monnaie. Versailles en remboursera la valeur. Messieurs, la trahison de Radisson est confondante. Elle confirme ce que mon père a toujours dit. Il n'y aura jamais qu'un moyen d'obtenir la paix en Nouvelle-France et de commercer à notre guise. Chasser les Anglais de la baie d'Hudson. Ce sera désormais mon grand souci. La Compagnie du Nord y mettra le prix. Et nous délogerons les Anglais de leur poste. Et nous réussirons.